Fire Podcast numéro 86. Les 100 bonjours en Cénacle continue. Aujourd'hui, Jacques 5, 14 à 15. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'église. Il prie sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile, au nom du Seigneur. Cette prière est inspirée de la foi et sauvera le malade. Voilà, ça veut dire la guérison. Je vous parle aujourd'hui du charisme de guérison. Et peu importe qui vous êtes, où vous vivez, Dieu nous a donné à tous l'autorité, la prière, la possibilité de guérir des personnes dans l'affliction, dans la souffrance. Comment pouvons-nous utiliser ce cadeau spécial? Prions pour ceux qui souffrent dans notre communauté en nous rappelant que la prière est un art que nous pouvons utiliser pour manifester la compassion de Dieu. En effet, la prière devient aussi une guérison, un miracle, si la compassion de Dieu se manifeste. Nos mains, même bénies, ne peuvent pas donner des miracles, mais avec la grâce de Dieu, oui. Alors la souffrance change. Et même si parfois dans nos prières, nous ne voyons pas de guérison, de miracles, prier pour l'autre, c'est déjà quelque chose qui va donner sens à la personne souffrant. Parce qu'on est là. C'est comme si on dit, voilà, je suis dans ta souffrance. Nous devons être ceux qui partagent la compassion de Dieu avec tous ceux qui nous rencontrons et particulièrement les souffrants. Lorsque nous prions pour les autres, c'est comme justement que nous sommes avec eux dans leur souffrance au nom du Seigneur. Rappelons-nous que si nous leur donnons notre prière, offrons la prière, ils recevront aussi la guérison de Dieu qui plaît à Dieu. Donc, prenez un moment. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, quand vous voyez quelqu'un qui a besoin de votre prière, et demandez au Seigneur une meilleure santé. Amen. En conclusion, rappelons-nous que nous sommes tous porteurs de ce message de miséricorde, de compassion de Dieu. Exerçons le don de la guérison, ça veut dire provoquer l'amour de Dieu. Et je vous invite encore à la Pentecôte, 27-29 mai, à Dourdan, au sud de Paris, avec Mike Fab, Florence Maréchal, l'animation de musique Tous Louanges et moi-même. Info et inscription sur emmaüs-com.center. Ciao, à prochaine.